Dans l'industrie, le commerce, l'élevage, les moyens de communication, la stagnation de l'économie, le blocage du progrès. Et tout ça par la faute de qui? D'une bande de fripouilles, des plus misérables, sales, pouilleux, voleurs, menteurs, hypocrites, meurtriers, grossiers, sans foi. C'est notre faute. Nous avons perdu trop de temps à essayer de les intégrer, à les transformer en êtres humains, civilisés. Messieurs, les gens de mon département font ce qu'ils peuvent, mais c'est une tâche difficile, très difficile. Des gens anarchiques? Ah, oh, Georges. Comment des gens anarchiques, des sauvages? Bonjour, le professeur d'anthropologie Pinkerton. Nous étions à l'université ensemble. Ces gens-là refusent d'admettre la valeur de la propriété privée et les avantages qui en découlent. Ils n'acceptent pas les principes d'égoïsme que la divine providence a déposés dans la nature humaine. Mais monsieur, excusez-nous, cette conversation est confidentielle, et si vous vouliez bien nous laisser... Messieurs, j'estime le moment venu d'en finir avec ces sous-hommes, de façon que notre race puisse s'acquitter sans plus tarder de la mission qui lui a été confiée, dominer ce continent et y établir la civilisation. En finir? Mais comment? Nous sommes responsables. Nous devons répondre à la résistance de ces misérables, par une action décidée et agressive. Dussions-nous même envisager d'exterminer ces gens, hommes, femmes et enfants? C'est la seule solution si nous voulons attaquer ce problème à la racine. Non, monsieur, enfin, ça n'est pas possible, nous ne sommes pas des barbares, nous tuerons cette année, et moi nous aurons à tuer l'année prochaine. Car plus je vois ces misérables, et plus je pense qu'ils doivent ou bien être tués tous, ou être maintenus dans un état d'indigence. L'intérêt du progrès exige l'application d'une solution, disons, définitive. Ainsi donc, à qui allons-nous confier une mission d'une telle envergure? Là réside le problème. Nous devons agir avec une discrétion totale. C'est très important. Ne sous-estimons pas l'influence de la presse sur l'opinion publique. Rappelez-vous le Watergate. Nous ne sommes pas des politiciens, mon général. Nous représentons l'économie de notre pays, ou ce qui revient au même, le progrès et la civilisation. L'armée n'est que le bras armé de la patrie. Précisément. C'est pour cela qu'elle doit intervenir immédiatement et sans hésitation, pour la défense de ses intérêts suprêmes. Et le Congrès, messieurs? Nous ne sommes pas des politiciens, mon général, mais les représentants de l'économie de notre pays, ou ce qui revient au même, du progrès et de la civilisation. Messieurs, j'ai consacré ma vie au service de mon pays, et je suis heureux de cette nouvelle occasion qui m'est donnée de pouvoir entrer en campagne. Ah, j'ai oublié de vous présenter ma fille, Hermine, une pauvre orpheline qui suit son papa partout en campagne. Mon chien. Ah, ah. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, merci. Ah. Le président, un regard magnétique. Mon général, votre vie est trop précieuse. Ce sera évidemment vous qui dirigerez les opérations, mais pour ce qui est des responsabilités directes de celles-ci... Mieux vaudrait les confier à un chef moins important. Vous ne devez courir aucun risque. Comment cela, messieurs? Voyons, voyons! C'est du risque que naît la gloire! Comme cette affaire est étrange! J'oubliais le principal. Nous avons appris que votre fille allait se marier cet automne. Oui, la chère petite. Nous vous prions d'accepter comme cadeau de noces ces quelques actions du nouveau chemin de fer. Oh, comme c'est aimable à vous. Montrez. Tu as vu, Hermine? Comme ces messieurs sont aimables. Cela te fera un petit viatique pour ta majorité. Et alors, quel est le chef que vous me proposez? Cast! Cast!
Master, j'aurais dû m'en douter. Le général Boyle, n'est-ce pas? Soyez compréhensif, mon général. Custer est entouré d'une légende. C'est un mythe. Le pays entier soutiendra son action. Excusez-moi, messieurs. L'asthme. Laissez-moi, s'il vous plaît. Nous avons un autre argument, général. Des clous, des clous. Je dois réfléchir, messieurs, c'est une décision grave. De quoi s'agit-il? Des clous pour l'inauguration des chemins de fer. Comme c'est intéressant. Papa, je veux compter mes actions. Oh. Et vous avez de quoi faire combien d'inaugurations? 300. Oh, que c'est beau le progrès. Nous couvrirons le territoire du pays de voies de chemin de fer. Mais Custer est à Washington. En proie à l'ostracisme du président. Qui ne lui a pas pardonné sa prise de position au Congrès. Custer a retrouvé la confiance du président. C'est ta faute, Dorothy. Tu signes des traités de paix. Et il s'essuie le cul avec les traités. Il s'essuie le cul. C'est la furie des soldats. Le sage président Nixon ignore ces choses. J'espère. Ils ont ravagé les pâturages. Eh oui, les pâturages. Ils ont défolié les forêts. Eh oui, les forêts. Ils ont exterminé le gibier. Ah. Ah, le gibier! Ah oui, le gibier! Ils nous empoisonnent tous les jours avec leur alcool et leur farine, pleine de strychnine. Mais faut pas m'écouter, je suis fou! Ils nous condamnent à mourir de faim dans les réserves. Ils nous massacrent dès qu'ils en ont l'occasion. Mais le président, lui, n'en sait rien. Hein? Faut pas m'écouter, je suis fou. Le président n'en sait rien. Rien! Hein? Je me souviens, au fur et à mesure qu'ils arrivaient, tchac, tchac, tchac. Ils sont puissants. Vous n'avez pas voyagé. Moi, je suis allé à Washington. Ce n'est pas la guerre qu'il vous offre, c'est la paix. Pour toi, taureau assis, faire la paix signifie réellement faire la paix. Tandis que pour eux, ça veut dire préparer une nouvelle guerre. Et la prochaine, taureau assis, est sur le point d'éclater. T'en veux? Tiens. Ah. Pourquoi dis-tu cela? Fou! Custer est de retour. Oh! Custer! Custer? Bonjour, messieurs. Voilà. Mais enfin, un peigne, ne se perd pas comme ça, il était là, cherche-le. J'y tiens. Il m'a suivi dans toutes mes batailles. J'aurais mieux fait de venir à cheval, parbleu. Hé, Custer. Vous me connaissez? Hé, qui ne connaît pas le général Custer? Je me présente. Pinkerton, professeur d'anthropologie de l'université de Hartford. Enchanté, monsieur. Alors? Je regrette, monsieur, je ne trouve rien. Et, monsieur, voilà votre peigne. Oh. Merci. À votre service. Merci bien. Anthropologiste, vous êtes sûr? Anthropologiste, oui. Cher frère, je suis en retard, j'avais perdu mon peigne. Ah oui? Tu penses?
Un café, Georges? J'ai pris mon petit déjeuner dans le train. C'est inclus dans le prix. Donne-moi ton livre. On a dépensé beaucoup d'argent, mon cher Georges. Il faut bien que nous le trouvions quelque part. Moi, avec le fourrage des chevaux et ton neveu, avec les rations de la troupe, on a fait des miracles. Je ne veux rien savoir. Ah, bien sûr, toi. La seule chose qui t'intéresse, c'est ta carrière militaire et politique. Mais tu ne te rends pas compte qu'une partie de la presse qui a pris ta défense à Washington, c'est nous qui l'avons payée. Hein? Ah oui, et aujourd'hui, ça coûte très cher. Tiens, lis, tiens. Bon, maintenant, je dois me changer. Où est-ce que je peux aller? Sergent! Ça va, commandant? Ah, avec les chips, et puis il y a toutes sortes de qualités de chips. Mais celle-là, c'est la meilleure. À mon goût. Oh. Vous avez des cheveux magnifiques, général. Oui, ça fait beaucoup d'effet sur les Indiens. Maintenant, vous comprenez l'importance. Indispensable. Anthropologue. Anthropologue. Vous voulez? Le matin, seulement du café. Regarde, mon vieux sergent, ce que je t'ai porté de Boston. Télescope. Merci, mon général. Très utile. Oui. Mon régiment. Vous permettez? Je vous en prie. Le glorieux drapeau de Custer. Vous êtes des ordures. Oh, bravo. Regardez ces raquettes, monsieur. Elles sont très bien pour la neige. Dis donc, c'est bon, général? Oui. Le con. Pourquoi des tomates? Custer est arrivé. Alors c'est fini pour ces maudits Indiens. Je vais m'habiller. C'est terminé. La vie de famille. Debout! C'est ça, les hommes, que je vous ai laissés? Vive le général! Vive Custer! 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 Regarde, j'ai un cadeau pour toi. Un scal. Oh,
Bonjour, mon colonel. Il est tout le temps ivre. Faites-moi sentir votre haleine. Ici, les choses vont changer. Pour vous aussi, Major Reynaud. Attention à la merde, Custer. Deuxième fil, le premier, à droite. Deuxième fil, premier, en voiture. Tourne-toi. Un Indien ne doit pas assister au châtiment d'un blanc. Lèche. C'est pas moi qui ai chié. Lèche. Obéis, toi. Ordure. Colonel Custer, général Terry, dans mes bras. Belle fresque, n'est-ce pas? C'est notre chapelle Sixtine à nous. Venez, je vais vous présenter à quelques amis. Vous avez fait bon voyage? Très bon, mon général. Quoi de nouveau à Washington? Je ne pensais qu'à revenir. La société, s'il vous plaît. Et tout d'abord, messieurs les représentants du pouvoir, je vous prie, avancez. Ah oui, avance. Ma fille, Hermione, et nos deux anges gardiens, Sister Lucie, chef de notre infirmerie, et Marie-Hélène de Bois-Montfray. Comment va votre panarie, général? Beaucoup mieux, mon petit, beaucoup mieux grâce à vous. Mais rien n'est plus important que la rencontre avec le pouvoir. Vite, vite, vite! On va refaire l'action. Pour la presse, tout est possible. Venez, Custer vous attend. Moi, j'aime l'opéra. Mozart? C'est possible. Excusez-nous, général, je suis le journaliste Kellogg. Je dois faire une photo avec le pouvoir, si c'est possible. Moi, je suis un militaire. Je vous en prie, c'est très, très nécessaire. L'opinion publique, en général. Vous vous devez à tout le monde, mon colonel, c'est normal. Merci. Merci, mademoiselle. Je vous accompagne. Mon général, oui. Le photographe. Ah, messieurs, oui, ce sont des petites frivolités auxquelles il faut se plier. Tu me vois. Si vous votre chien. Si vous voulez le mettre en place... Oh, pardon, mademoiselle. Un peu de musique pour le climat. Attention, bouge plus. Madame, c'est mon frère. George Armstrong Custer. Vainqueur des Indiens. Mon chien, il m'a été offert par le tsar de Russie. Dis bonjour à mademoiselle. Très pratique. Excusez-moi, information militaire. J'ai tourné côté ce jour-ci. J'ai vu beaucoup d'Indiens. Beaucoup. Quelle tribu? Cheyenne, Oglala, Pieds Noirs. Pas d'Algériens? C'est la gloire. C'est la gloire, Mitch. Mais oui. Ah, le chien a mangé, hein? Très bien. Maudits Indiens, ils restent là-dedans. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils veulent. Comme des rats. Comme des rats! C'est ça, le progrès. La dynamite serait plus commode. Mais nous vivons dans un siècle trop vieux, trop religieux, Custer.
mon cher Custer. Je suis heureux de pouvoir compter sur vous. J'aurais voulu mener la bataille moi-même, mais avec mon asthme, mon panari, et puis, j'ai un problème, je ne peux plus monter à cheval. Enfin, de moins en moins. Une espèce d'irritation. Le docteur dit que ce n'est pas grave, mais enfin, je crains beaucoup que... Enfin, j'ai bien peur que ce soit la prostate qui fasse des misères. Ou quelque chose de pire, même. Ah, mon cher Custer. Ah, comme vous êtes heureux d'avoir la santé. Vous avez l'expérience, mon général. Arrêtez de taper par terre comme ça, ça soulève la poussière. C'est mauvais pour mon asthme. Allez, voilà cette merde de Mitch, avec ce trou du cul de Custer. Réponds-lui pour leur faire plaisir. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces malheureux? Qu'est-ce qu'ils font? Ah. Mais ce sont des tribus que je ne connais pas, ça. Ils s'en foutent, ils n'ont pas le droit d'être ici. Voyons, c'est le territoire du chemin de fer, ça. Éclaireur, qu'est-ce que c'est que ces tribus? Ce sont tous des Sioux. Un moment, je me renseigne. Des cochons. Alors, c'est absolument nécessaire? Absolument certain. C'est très important que vous connaissiez les notables. Incroyable. Un homme de guerre comme moi, contraint d'assister à une exhibition grotesque comme celle de Buffalo Bill. Alors, on entre ou on entre pas? Général, je vous le répète, c'est très important pour vous. Qu'est-ce que tu veux? Je suis Mitch, l'éclaireur des Custer. Mitch Custer! Bonjour, mon colonel. Bonjour. Eh bien, je dois vous apprendre que ce soir, Mademoiselle de Bois, mon frère, sera parmi les invités. Mmh. C'est comme ça. Mais alors, elle va penser que je suis un homme sans goût, sans aucune sensibilité artistique pour avoir choisi... Oh non, rassurez-vous, elle sait très bien que c'est votre position qui vous oblige à venir. Mon cher frère, pas d'alcool. Un seulement. Puisque Buffalo a commencé sans nous attendre, je pense que je dois vous précéder pour lui annoncer votre arrivée, mon général. Qu'il disait au général Sheridan? Mon général, je n'irai pas chasser le bison si le grand Buffalo Bill ne m'accompagne pas. Buffalo. Bouffon. Mon général, je suis ici en attendant vos ordres. Non, Mitch, ne touche pas la femme blanche. Vous pouvez imaginer... Bouffon. Le safari que je lui ai organisé. Vous voulez prendre quelque chose, général? Un whisky, un cognac, une menthe? Je ne bois pas. Les Indiens, toutes les sortes. Donnez-moi une orange. Nous sommes en guerre, monsieur. De l'eau ou du whisky? De l'eau. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Rose. Parfumé. Le soir, je la lui racontais. Buffalo Bill. Je l'ai eu comme éclaireur pendant 2 ans, ce vieux pédé. Il se trompait régulièrement de chemin. Bravo! Bravo! Et alors, j'ai raconté ma vie au grand-duc Alexis de Russie. Le colonel Custer n'est pas encore là? Mais enfin, Sister Lucie, nous sommes venus pour voir le spectacle. Buffalo Bill est resté 2 ans. Quand je travaillais pour la Kansas Pacific Railroad, j'ai tué 4280 bisons en 18 mois! Ha ha ha! Monsieur Buffalo, venez! Le colonel Custer! J'ai tué 4280 bisons! Les bisons! Ce que vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi, c'est compris? Custer attend son hommage, vite! C'est impossible, j'avais prévu cela à la fin de mon spectacle. Le
un public. Attends, mon public, attends que je le raconte ma vie. Non, vous devez le faire maintenant, sinon vous ne touchez pas un sou de ce qui est convenu entre nous. Et l'hommage sera rendu avec conviction. Toujours sur mon chemin. Once panic, once kill. Pas de familiarité. Mesdames et messieurs, nous avons le grand honneur d'avoir parmi nous ce soir. Bravo, bravo. Si je vous en prie, c'est pas comme ça. Castor. Music. Vive Castel, vive le salon, les frères héroïques. Vous allez, mon général. Disposez. Gauche-droite. On est grand comme ça aujourd'hui à West Point? Oui, mon colonel. À mon époque, c'était moi le plus grand. Very well. Asseyez-vous. Mon colonel, regardez, pas d'alcool. Tant mieux, Major Renault. Mesdames et messieurs, c'est pour moi... Vous connaissez Sister Lucie ? ...devoir de rendre ici un hommage public. Et bien sûr, et le représentant des affaires indiennes. Mon admiration au héros de Ouachita. Oh. Ouachita ? Ma chère Carole, à quoi pensez-vous, colonel ? À rien. Quel meilleur commentaire ! Cadet. Oui, mon colonel. Rhabillez votre fiancé. C'est vraiment très impudique. Que le général Sheridan adressa à notre héroïque colonel lorsqu'il apprit que nos troupes étaient victorieuses. Je laisse la parole au général Sheridan. L'énergie et la rapidité mises en œuvre pendant l'une des plus fortes chutes de neige. On est connu dans cette région du pays par des températures au-dessous de 0 degré pour la bravoure. Mais pourquoi risquez-vous tellement votre vie? Pour la patrie. Les soldats. Pour les grands triomphes obtenus contre les féroces Cheyennes. Le haut état-major exprime sa gratitude aux officiers et soldats qui sont intervenus dans la bataille de Washington. Et félicite spécialement son distingué commandant, le général major George Armstrong Custer. Le rayon sur lui. Vive Custer! Vive Buffalo! Les frères héroïques! Vous, dans cette image, c'est trop. Quelle émotion! Le cigare ne vous dérange pas, mademoiselle? Merci. Quelle bataille! Quelle bataille, mon général! A young cowboy came riding to Texas one day. Je ne sais pas comment expliquer. Lorsque je vous ai vu la première fois, un sentiment étrange, une prémonition, un souvenir. Maureen O'Hara, autant n'importe le vent. Vous me flattez, colonel. Non, mademoiselle de Beaumont-Frey. Je rends hommage à la vérité. Vous devez me croire. Si ce n'est pas indiscret, comment avez-vous échoué ici, parmi nous? He said, hop up, little darling, my horse is white. Won't you tell me your story while you sit by my side? À la mort de mon père? Oh, pardonnez-moi, je ne voulais pas faire revivre des sentiments aussi. Ma mère, laissée sans ressources, accepta l'hospitalité de son frère. Mon oncle a une banque à Boston. Et sa femme descend d'un des pèlerins du Mayflower. Oh, comme elle est mélancolique, cette musique. The dead man. He loved her and took her away. They fought for his pistol, and to her dismay
Mais à Boston, je m'ennuyais. Une vie superficielle, des bals, des fêtes, enfin, vous connaissez. Et alors, quand j'ai entendu parler des souffrances des soldats américains, j'ai décidé de venir proposer mes services pour servir notre cause. Le général Terry m'a dit que vous étiez une fée. Le général s'est trompé. Vous êtes un ange, mademoiselle de Beaumont-Frey. Être soignée par vous, ça doit être quelque chose de divin. Oh non, colonel. Les balles doivent vous respecter. Le pays a besoin de vous. Don't you cry now, I'll take you where you can come to harm. But before he could hasten his horse to depart, a bullet came flying and pierced their two hearts. Her hair was like sunshine, she had dust on her cheeks, where a young cowboy kissed her. So soft and so sweet. Maintenant, on va jouer à un petit jeu. Allez, mon petit. Le repas, c'est un jeu. Et alors, ils les ont enfermés. Puis la cheminée s'est effondrée, les tuant tous. Allez vous asseoir. Oh, ainsi, qu'est-ce que tu attends? Hein, qu'ils nous tuent tous? Il faut aller chercher nos frères. Ils les ont tués comme des lapins. Qu'est-ce que tu attends? Kester, le boucher des Indiens. Vous, les hommes. Que veux-tu, Toro Assi? Va me chercher les chefs de guerre. Deux lunes. Fidèles. Cheval fou, corbeau. Vous êtes des fous. Si vous croyez arrêter le progrès en tuant des soldats américains, l'Amérique pourrait être votre père et votre mère. Bravo. Merci. Pas de quoi. Et le pain pour vos enfants. Au nom de mon gouvernement, vous êtes condamné à mort par pendaison. Exécution. Pendez. Yeah.
parler, fou. Frère, jusqu'à présent, vous vous êtes battu sans aucun sens de la stratégie. Tu ne peux pas parler. Tu n'es pas un chef. Un homme qui n'a pas un cheveu sur la tête n'est pas un homme. De quoi parle-t-il? Il parle de la guerre. Il parle de la guerre? De la guerre, faut pas en parler. Pouah, pouah, pouah. Le fou n'a pas un cheveu sur la tête, mais il a des idées. Écoutons-le. Parle, fou. Vous êtes les guerriers les plus braves de la Terre. Mais vous êtes naïfs! La guerre est pour vous une question d'exploit individuel, et non une action collective. Collective! Collective! Maintenant, tais-toi. Nous allons parler avec nos frères, les guerriers. Avec le violon. J'aime beaucoup jouer du violon à la campagne. Ne te moque pas de la tradition, fou. S'ils veulent la guerre, ils auront la guerre. Mais pour la faire, nous devons nous allier. Car en combattant chacun de notre côté, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, nous ne pourrons jamais les battre. Vous avez entendu Toro Assi. L'heure de l'unité est venue. Désunis, vous n'êtes rien. Les Blancs vont continuer. Détruisant tribu après tribu. Mais toutes les tribus unies, nous formons un peuple. Pas des misérables, pas des déshérités, mais des hommes opprimés. Des hommes! Et le peuple peut vaincre l'oppresseur. Frères, oubliez vos différences. Réunissons le peu que chacun possède. Achetons des armes. Utilisons-les dans une action commune, une tactique nouvelle. Nous n'avons pas besoin de héros. Mais d'une armée, et non pas demain, mais maintenant, maintenant, maintenant. Ils reviennent, les pouilleux. Coupe la tête, comme ça. Allez. Encore, ils vont nous tuer tous, les uns après les autres. Tu es le plus vénérable et le plus respecté de tous, mais regarde. Regarde. Hein? Si j'étais jeune et impulsif, je croirais comme vous qu'aujourd'hui, c'est le bon jour pour attaquer. Mais je suis vieux et sage. Et je sais qu'il faut attendre. Personne ne discute ton autorité, chef. Mais les jeunes ne veulent pas attendre plus longtemps. Travaillez. Travaillez. Sinon, je vous ferai fusiller par les soldats. Alors, qu'est-ce que tu as? Rien.
Pourquoi tu me regardes comme ça? Fous-moi la paix. Et couvre-toi. Ce décolleté de putain blanche. On ira demain au cinéma. À la mémoire de Lynnes Love, qui au cours de sa vie tua 98 Indiens. Ce que je ne comprends pas, c'est l'attitude des Indiens. Il est évident que le Seigneur a donné cette terre aux Blancs pour qu'ils s'y établissent. Alors pourquoi les Indiens résistent-ils? Parce que ce sont des sauvages. Ce sont des sauvages. J'ai parfois l'impression qu'ils sont inspirés par le démon. Dieu nous en garde. Dieu est le septième de cavalerie. Elles sont étranges, ces constructions militaires. Elles sont militaires. The first time I saw Georgiane, I slapped her on her fanny. I said, girl, many battles have I won, and this one's just begun. She fought with me like a tiger, she was as pretty as a fawn. I kissed her hard and walked away. C'est donc une action pieuse que tuer les Indiens, n'est-ce pas, colonel? Quel beau ciel! Regardez toutes ces étoiles, colonel. Regardez. Oh, regardez ici en bas. On dirait que des étoiles sont tombées sur la terre. Des étoiles. Mitch. Pieds noirs. Je les ai encore eus. Ce sont des Indiens? Oh. Avec moi à votre côté, vous n'avez rien à craindre, mademoiselle de Beaumont-Frère. Vous pouvez m'appeler Marie-Hélène? Michi Champagne! She wasn't like that before you. She's sighing and a pining soul. I guess young man, she loves you. If you love your Jane, you can take her. Vous ne sentez pas une drôle d'odeur? Ah, mais oui, naturellement. Regardez-moi ces pendus. Je n'en crois pas à mes yeux. S'il y a une chose à laquelle je tienne, c'est à l'hygiène, à la propreté, à... Mais les formoles, alors, il n'y a pas de formoles. Le champagne, c'est pour les Blancs. If you love Georgiane, I am giving you a hand. Mitch, le champagne s'est réservé aux Blancs. Caster, fils de putain, viens, 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 viens. Marie-Hélène, les Indiens sont des sauvages. J'ai parfois l'impression qu'ils sont inspirés par le démon. Caster, tu es une merde. Mitch, laisse tomber la femme blanche. Viens. Viens. Et vous travaillez. Le président vous regarde. Viens. Qu'est-ce que tu veux? On verra. On verra si j'y touche pas. À la femme blanche. Viens, viens. Viens ici. Monte-là. Mange, je te dis. Pas comme ça. Comme ça. Regarde. Elle est blanche. Blanche comme un ange. Blanche comme le lait. Tourne-toi. À nous deux. Voulez-vous me laisser toucher votre cul, mademoiselle de Pompompon? Oui. C'est bien, ça. Pas trop gros, pas trop petit, à point. Oh là 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 là! Caster, mais tu te rends compte? Elle aime un Indien. Mes amis, toi! À poil, Marie-Hélène. Caster,
Regarde. Je t'encule! Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Parlez pas. Attention. Bonjour, mon général. Bonjour, professeur. Bien dormi? Non, le lit est trop mou. Je préfère la terre. Le repos du guerrier. Je viens de l'école indienne. Nous organisons une exposition un peu triste, mais nécessaire. Il y a aussi Marie-Hélène. Vous la connaissez. C'est une femme extraordinaire, une vraie patriote. Depuis ce matin, 4 heures, elle nous donne la main. Ah, dire qu'à chacun de mes voyages, je suis obligé de monter des expositions de ce genre. J'ai là aussi la documentation photographique. Ça vous intéresse? Vous voulez la voir? Regardez ça. C'est une exposition en Bolivie. Oui. Ça, c'est l'Afrique. L'Afrique. Chef révolutionnaire. Et celle-là, elle n'est pas belle? Très intéressante. Perspective, hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Indien? Ça la fout mal pour vous, hein, traiter comme ça votre éclaireur. Alors moi, je peux le faire. Fait pour vous, c'est toute autre chose, vraiment. Très intéressant. Bravo, professeur, hein? Sûr. Bien, tu restes là. Allons voir. Anthropologue. Anthropologue. Et alors, j'ai beaucoup réfléchi et je suis content parce que maintenant, quand même, grâce aux journaux. Bonjour, Archibald. Mon ange, bonjour. Non, le petit déjeuner, non, vraiment, c'est pas le moment. Mais merci tout de même, enfin. Ah, bah oui, bah ça, c'est évident. C'est pas du buguet. Et alors, les journaux, ça, c'est mieux parce que ça. L'acide permet de. Oh là là, il y a des moments. Alors. Ça, c'est vrai. Oui, c'est ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est que les Anglais, ils mangent des frites dans des trucs en journaux. Oh là là. Si je suis là, alors. Qu'est-ce que vous faites dans notre école? Mademoiselle, ce n'est plus votre école. Elle est réquisitionnée. Mais vous pouvez rester si vous voulez. Mais c'est un spectacle atroce pour les enfants. Qui commence à être un peu plus propre, c'est bien. Tiens, Juju, viens m'aider là un peu à pousser le bonhomme. Regarde. Tu vois ce qu'on fait aux Indiens quand ils sont méchants? Oh là! Hein? Alors, il faudrait être bien gentil. Ou c'est lui qui se venge, ou c'est moi qui mets trop de journaux, mais alors, ça vient m'aider, vite! Allez, allez, allez! Viens, le café va être froid. Voilà. Bah, pardon, pardon, mais fallait que je termine mon machin. Un peu de café? Que c'est gentil d'avoir pensé. Marie-Hélène, un peu de café? Oh non, c'est trop fort pour moi. Ah, moi j'en prends un avec plaisir, alors ça. C'est bon? C'est toi qui l'as fait? Non, ça vient d'à côté. Ta femme, elle a demandé 2 000 $. Moi, je n'en ai que 1 000. Je ne sais pas d'où les faire sortir. L'argent, c'est toi qui t'en occupes. Bonjour, mon bras. Bonjour. Oui, c'est, voilà, c'est mon invention. Ah, moi, ben, ça, je vide toutes les tripes, n'est-ce pas? Et bien, après, je mets des journaux, de la paille, tout ça, enfin. Bien. L'odeur est supportable. Oui, c'est à cause de l'acide qui désinfecte. Pas des journaux, enfin, je vous remercie beaucoup, n'importe quoi. Vous avez travaillé toute la nuit. Eh bien, j'ai aidé le vétérinaire Archibald. Maintenant qu'ils ont été désinfectés, on peut les exposer sans aucun danger pour la population. Vous êtes toujours plein d'attention. Ah. Bonjour, les enfants. Bonjour. C'est beau d'aider une noble cause. Et la bataille, c'est pour quand? Top secret. Mais à vous, je peux le dire. Vous tremblez? Non, oui. Enfin, je crois que c'est la fatigue. Vous voulez que je vous accompagne à l'hôtel? Oh non, non. Le devoir avant tout, colonel. Ce qui fait que la putréfaction, ça... Un ange. Viens avec moi. Et ce qui fait que... Bon, là, et ben lui, bah, écoute, Archibald, il faut même mettre l'entrée à 15 cents. J'ai besoin d'argent. Major Archibald, come on. Mademoiselle Dubois, mon frère. L'ange blanc du soldat blanc. Come on. Non. Come on! Buffalo Bill! Toujours sur mon chemin. Nous allons fixer un moment de l'histoire. Come on. Buffalo Bill! Oh, come. Attention, bouge plus! Parlez encore, dites-moi tout le bien que vous pensez de cette arme magnifique. C'est une mitrailleuse admirable. Elle nous vient de France, un pays d'Europe.
60 coups par semaine. Repos Custer. Je vois que vous avez reçu votre horrible jouet. C'est un instrument magnifique, Custer. N'en dites pas de mal. Je... Oui, repos, repos, je vous ai dit. Comment va la santé, mon général? Très mal, je vous remercie. Soleil sur épouvantable. J'ai des coups de soleil sur les mains, je ne pourrais plus soulever mon sabre. Et je crois qu'on pourrait faire cuire des œufs au bacon sur ma tête. Je suis désolé, mon général. Y a de quoi? Excusez-moi. Pourrais-je vous parler en privé? Vous pouvez parler devant monsieur que vous connaissez très bien, d'ailleurs. Le droit à l'information est sacré. De toute façon, monsieur est de notre bord. Allez-y, Custer. La présence d'un clown parmi vos soldats est inadmissible et déshonorante. J'ai fait allusion à Buffalo Bill, évidemment. Je suis un peu de votre avis. Enfin, expliquez-lui, je vous prie. Mon cher général, la guerre contre les Indiens n'est pas très populaire dans le pays et, en Europe, on la désapprouve. Aussi, nous faut-il faire une grande campagne de lancement, publicitaire, relations publiques, etc. Tout ce qu'il est possible de faire pour renforcer notre emprise. Et Buffalo Bill est un personnage très aimé du public. Impopulaire, la guerre? Mais la guerre, c'est la raison d'être des peuples. Mais pas avec cette machine, avec un sabre. Homme contre homme. À la charge! Repos, Custer. Soyez pas obsédé par Buffalo Bill. Buffalo Bill, c'est le côté folklorique de notre affaire. Vous, vous êtes la gloire. Vous êtes la guerre dans son essence et sa vérité première. Alors, voyons. À propos, demain, je dois avoir une entrevue avec Toro Assi. Voulez-vous m'accompagner? Merci, mon général. Ah. Venez un peu par ici, Custer, je vous prie. Ah. J'ai une question un peu confidentielle à vous poser. J'ai des soucis avec ma fille. Elle fréquente beaucoup un officier de votre régiment qui est un petit peu ivrogne. Le major Renaud. Voilà. Dites-moi, est-ce que c'est un habitué des bordels? Oh, je l'ignore, mais... Je peux vous dire qu'il a cessé de boire. Oui, mais la boisson, ça n'est pas important, Custer. Moi-même, de temps en temps, non. Non, mais j'ai très peur qu'il ne transmette une maladie honteuse à ma fille. Mm-hmm. Ah. Oh. Oh. Ah, encore un troupeau d'Indiens, mais ils vont finir par remplir ce trou. Et à propos de Toro Assi? Ah, Toro Assi, j'ai eu une idée géniale, Custer. Quelquefois, mon intelligence m'effraie moi-même. La guerre, pour être populaire, doit être inévitable. J'ai trouvé une raison pour qu'il en soit ainsi. Et à quand, la bataille? La gloire, hein, Custer, toujours la gloire. Repos, Custer. C'est toi, le fou. Tu as pas honte, tout nu, devant les enfants. Nous nous connaissons, n'est-ce pas, grand chef? Je vous ai apporté quelques cadeaux, en gage d'amitié. Mais je vois que vous n'avez rien apporté vous-même. Ma fille comptait sur une paire de mocassins. Vous allez la décevoir grandement. Nous n'avons rien à donner. Moi, j'ai choisi le vent. Je ne travaille qu'avec eux. Éclaireur! Mon tabouret! À vos ordres! Tu verras. Votre ami, le colonel Custer, va vous faire connaître les ordres de notre président bien-aimé Nixon. Allez-y, Custer. Regarde. C'est lui, l'homme automate. Pourquoi? Et un jour ou l'autre, avez-vous abandonné vos maisons? Parce que vous les avez détruites. Quelquefois avec leurs habitants dedans. On vous avait ordonné d'aller dans les réserves. Dans les réserves. Mon peuple meurt de faim. Vous nous avez promis du travail.
des écoles pour nos enfants, des hôpitaux pour tout ce que vous nous avez pris. Ce n'est pas une réponse. Et même si c'était une réponse, elle ne vous donne pas le droit d'occuper le grand trou des collines noires. Les grands trous des collines noires sont les seules choses qui nous restent. Notre pays ne veut pas la guerre. Alors, pourquoi êtes-vous venu, monsieur l'Indien? Au nom de notre gouvernement, je vous ordonne de regagner vos réserves avant la prochaine lune. Si vous désobéissez, vous serez déclaré hostile, c'est-à-dire rebelle et ennemi de notre pays. Vous serez donc responsable de tout ce qui arrivera. Prenez note de notre magnanimité et de l'irresponsabilité de ce sauvage. J'ai tout vu, j'ai tout noté. Bon. Eh bien, écoutez, je crois que c'est l'heure de déjeuner. On y va. Cette merdaille, c'est le grand-père blanc qui me l'a donné à Washington. Maintenant, je pisse dessus. Custer, un officier qui est passé par West Point, ne s'abaisse pas à ce genre de querelle. Venez. Venez. Entre les parrains. Allez-vous-en, mauvais oiseau. Allez-vous-en. Allez, allez. Via, via. Allez, allez. Père, pourquoi donc ne m'avez-vous pas défendu? Parce que je mangeais des cerises. Allez chercher mon cheval. J'espère, Major Reno, que vous avez lu le livre du général Custer. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai bien l'intention de le lire. C'est beaucoup plus... Marie-Hélène, vraiment, je n'espérais pas vous voir ici, mademoiselle. Ah, colonel, je me faisais une telle joie à l'idée de recevoir votre livre dédicacé. Mais... alors, vous l'avez lu? Qui ne l'a pas lu, colonel? Non seulement vous êtes un grand soldat, mais aussi un extraordinaire poète. Je me souviens d'une description qui commençait comme ceci. La nuit était idéale à la réalisation de notre projet. La brise était douce et fraîche, et la pleine lune semblait complice avec nous dans l'attaque du campement indien. Oh. Vos éloges me confondent, Marie-Hélène. Ce n'est là rien d'autre que la prose d'un soldat. La marche de Buffalo Bill. Oh, colonel. Enchanté de vous voir. Je suppose que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je signe. Hein? De ma grande auto-fio. Le récit des attaques de la diligence. La chasse aux bisons. La technique du scalpel. Etc. Etc. Oh, je vois là un représentant des affaires indiennes. Pour le représentant des affaires indiennes, j'ai un cadeau. Ah, voilà. C'est le cadeau pour le représentant des affaires indiennes. C'est le cadeau. Oh, du charme, colonel. Je vous prie de m'excuser. Misérable cabot. Lui et sa maîtresse, Calamité Jeanne. Colonel, pas de scandale, nous avons besoin de lui. Aïe! Vive Custer! Vive Buffalo!
If you love Georgiane, you can take her if you can. Allez, change! Gagnez, l'aider! If you love Georgiane, you can take her if you can. Sois tranquille, je veille sur elle. Marie-Hélène, j'ai fait une chevauchée fantastique. Vous ne m'avez jamais dit, colonel, pourquoi vous avez choisi la carrière des armes. Depuis ma jeunesse, j'ai senti le désir ardent de servir le pays. Et ce qui m'a décidé à entrer dans l'armée, c'était la confusion qui régnait dans le pays. L'armée, c'était la pureté, le sacrifice. La pureté au sein d'une société plongée dans la fange du matérialisme et de l'anarchie. Ah, oh, comme j'aime vous entendre, vous parlez si bien. Hélas, vous n'êtes pas la seule. Et pourquoi hélas? Mes interventions oratoires à Washington ont eu un certain succès. Et des personnes très influentes insistent pour que je me présente comme candidat aux élections présidentielles. Président? Oui. Caster! Président! La nuit est belle, mais je commence à avoir un peu froid. Je vous accompagne. She fought with me like a tiger. She was as pretty as a fawn. I kissed her hard, then walked away. Il me donne toujours des tâches délicates. Mais tu es un grand homme. Oh. Oui. If you love Georgiane, you can take her if you can. If you love Georgiane, you can take her if soldats, you can. Soldats, tout juste bon à se promener au clair de lune. Et nous ici, on attend qu'ils nous débarrassent des Indiens. Maudits Indiens, que mon or. De combien de canons peut-on disposer? Une bonne demi-douzaine, mon cher ami. Attention, Buffalo! Bon travail! Très bon travail! Ça, c'est de la guerre! Ça, voilà, voilà de la guerre! Vous n'aimez pas le progrès, mon colonel! Le progrès! Et maintenant, le numéro du canon! Là, ces machines sans humanité. Caster, tu as raison. Pas de canon. Revolver, fusil, couteau, mais pas de canon. Pas de canon. Vous voyez, mon général, nous entrons dans l'époque des guerres scientifiques. C'est propre, c'est anonyme, on ne voit pas l'ennemi. Mais vous avez choisi Custer, hein? Eh bien, vous aurez Custer. Custer, c'est la gloire, hein? C'est la charge à l'arme blanche. Eh bien, nous verrons. Nous verrons. La remettez ce canon au magasin. Et nous, mon cher ami, rendons-nous à la réunion d'état-major. Amenez le cachot! Exécution! Accrochez la pièce! Allons, voyons, voyons. Hermine, on ne s'endort pas au milieu des documents secrets, mon petit. Allons. Au moment du conseil de guerre, voyons. Mais je t'en prie, va prendre l'air, mon petit. Excusez-la, je me suis partout dans ma campagne. Oui, bon, eh ben ça va comme ça. Voilà. Messieurs, le président, ne l'oublions pas, son regard magnétique. Bon, alors, mon plan de bataille est le suivant. La colonne commandée par Crook sort de Fort Peterman et marche vers le nord, en repoussant l'ennemi, si elle le rencontre, jusqu'à ce point-ci. La colonne commandée par Gibbon sort de Fort Ellis et en suivant ce chemin, se joint à celle de notre ami Custer. Oui, doucement, à cause de la poussière, je vous l'ai déjà dit, Custer. Vous comprenez, messieurs, j'espère, un mouvement de tenaille implacable et élégant. Il acculera l'ennemi, si j'ose m'exprimer ainsi, dans un magnifique cul-de-sac. Qu'en pensez-vous, Custer?
Major, très amusant, Custer, très fin, très fin. Enfin, n'oubliez pas que ce plan de bataille est conçu en comptant sur votre sens de la coopération, de la collaboration, Custer. Il ne s'agit pas là d'une action personnelle, ne l'oubliez pas. Oui, mon général. C'est compris? Oui, mon général. Et n'oubliez pas votre procès. Et grâce à cette opération, vous pouvez nous assurer que le succès sera garanti. Il n'y aura pas de survivants. La victoire doit être totale, claire, nette, définitive. Messieurs, ceci est l'affaire du colonel Custer. Alors vous entrez doucement, comme des bons bourgeois, et vous demandez des armes. Allez, allez, allez. Allez. Chef, entrez vite. Oh, il est beau. On va tous les tuer avec ça. Fou, je vais parler avec toi. Tiens, un cadeau, des tomates. Hein? Voilà, le bon président. C'est seulement mon froc. À me jeter des tomates à la figure. Eh bien, jette! Allez, je suis ici. Courage, jette-les! Je sais que vous vous armez. Ça veut dire que la guerre approche sérieusement. Je m'en fous que vous gagnez ou que vous perdiez. Je veux seulement deux choses. Faut tuer Custer. Alors, je parle ou je me tais? Parle. Custer adore s'échanger. Un costume pour chaque bataille. Cette fois, je vais lui en donner un beige. Ce sera très facile à distinguer parmi les soldats. Pourquoi veux-tu que Custer meure? C'est mon affaire. Pourquoi veux-tu que Custer meure? Parce que... parce qu'il me traite comme un Indien. Mais quel massage, colonel! Il faut les couper, il n'y a pas de crème ni de lotion. Ils sont trop fragiles, vos cheveux, colonel. Mes cheveux sont ma légende, je ne peux pas les couper. Colonel! Parbleu, merde alors. Mais je ne peux pas, les Indiens... Ils m'appellent Custer, les longs cheveux, c'est vrai? Mais oui, Custer. Et si je les coupe pas? Vous deviendrez chauve, colonel. Couper. Un homme sans cheveux est un homme sans virilité. Mon général, regardez ce costume. Je l'ai fait pour vous avec mes mains, complètement. Tout ce costume, je l'ai fait, moi-même. C'est beau, regardez. Ah, joli, joli. C'est bien, hein? Vous êtes des sauvages, mais ces choses-là, vous les faites très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est, ça, hein? Amulette. Non, c'est pas rien. C'est pas une bonne amulette, mon général. Ah oui? C'est mauvais, ça.
Moi, je ne connais pas bien les coutumes indiennes, mais vous qui êtes gynécologue... Anthropologue. Je connais très bien les Indiens, hein, mon petit Indien. Toro Assi va être déçu. Dans le trou, partout, avec beaucoup d'armes, beaucoup à boire et pas mal à manger. Ah, ils sont bien fréquentés, ces trous, par nos frères, nos frères. C'est un grand jour. D'où viens-tu? Mexique, tribu Huitchoc. Toro Assi, il en arrive de toutes parts. Notre plan fonctionne. Beaucoup d'Indiens, ils ont enfin compris. Cette fois, c'est nous qui massacrerons les oppresseurs. Nous. Falling in love again. Je vous en prie, messieurs, attaquez-vous, haricots. Je suis désolé de ne pas partager votre plat, mais mon régime me l'interdit. Je suis obligé de me contenter de cette modeste langouste. Je vous en prie, mangez-vous, haricots, mangez. Parlez-moi un peu de vous. Il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais faites avant de vous connaître, Marie-Hélène. Par exemple? Être amoureux. Que c'est? Pour la patrie, pour Dieu et pour votre gloire. Pour l'armée! Pour le progrès! Messieurs, santé. Oui, et j'aime ma femme, naturellement, d'une autre sorte d'amour, comme une sœur, comme une mère, comme une fille. Mais les sentiments que vous m'inspirez, Marie-Hélène, c'est un amour immense. Je ressens l'envie impérieuse de vous embrasser, de vous serrer dans mes bras avec frénésie Non, 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 colonel, non. Non, George Armstrong, je suis une fille honnête. Moi aussi, je vous aime, mais... Ah oui? Vous devez respecter ma vertu. Oui. Oh, je me sens mal. L'air me manque. Je ne me sens pas bien. Je suis un animal. De vous avoir parlé comme ça, je vous en prie. Venez. J'ai besoin d'air. Messieurs, du calme, messieurs. Oh. Voulez-moi un coup de main, colonel Custer? Non, merci. Je voudrais aller à l'hôtel. Oui. À l'hôtel. Oui. Ah, les femmes. Ah, les femmes sont fragiles. Eh bien, maintenant, messieurs, que les femmes sont parties, nous pouvons nous laisser aller un petit peu. Bonsoir, mon général. J'aimerais offrir une coupe. Ah, je peux vous aider. Ne touche pas la femme blanche. Marie-Hélène, vous n'avez rien à craindre. Mon amour est si grand qu'il est prêt à se sacrifier. Je suis content rien que de vous voir. Oui, sortons. Oui. Champagne! Et je suis surtout habitué aux animaux, mais enfin, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas enceinte. Comment vous permettez-vous? J'ai encore gaffé, mon général. Tu me présentes? Oui, mon général, je vous présente ma fiancée. Je sens mon chemin. Major Archibald, c'est la quatrième fois que vous me la présentez. Eh bien, j'ai encore gaffé, mon général. Vous devez me pardonner, Marie-Hélène. Je ne voulais pas vous offenser. Un moment de défaillance, la chair est faible. Je viens de vous pardonner, George Armstrong. Je me sens la plus heureuse des femmes. C'est vrai. C'est tellement merveilleux de se sentir aimé passionnément par un homme qui s'est renoncé à la matérialité prosaïque de l'amour. Je vous aime ainsi, Marie-Hélène. Je crois que je vais me retirer. Je vous accompagne. Chère épouse, aujourd'hui, j'ai remporté une grande victoire. Peut-être plus importante au point de vue personnel que toute
mais victoire militaire. J'ai pensé, comme vous n'aviez pas dîné, je vous ai apporté un club sandwich. Adorable Samaritaine. Vous devez manger quelque chose. Manger dans l'état où je suis. Excusez-moi. C'est ici que vous écrivez vos mémoires? Oui, mais j'étais en train d'écrire à ma femme. C'est une femme qui a bien de la chance. Oh. Marie-Hélène. Oui. Je le sens qui est trop lourd. Oh, mon cœur! Mon pauvre cœur! Un poulet emballé! Oh. Je vous en prie. Oui. Il faut résister. Oui, oui, oui. Mon sang me trouble. Mon cœur. Non. Mon pauvre cœur. Marie-Hélène. Un poulain blessé. Non, non, je vous en prie, Marie-Hélène. Il faut résister. Oui. Il faut résister. Oui, oh, non. Il faut résister. Il faut résister. Il faut résister, Marie-Hélène. Oui. Oh non. Oh, oui. Oh non, mais vous avez pris cette place, Marie-Hélène. Transportez les soldats blessés. Oh. Mais vous êtes... Pour la patrie. Ah. George Armstrong. Marie-Hélène. Oh. Prends-moi. Prends-moi! Monsieur Buffalo, ce n'est pas le moment, vous n'êtes pas à votre place! Ma place est toujours là, où l'Amérique m'appelle. Mais vous êtes à maison! Joie et victoire! Musique! Oh! Attends, attends, je vous l'ordonne, je vous l'ordonne! Que plus que celui-là. Un clown au milieu de mes soldats. Ah, mon ange blanc! Mais il est incroyable, ce Buffalo Bill. Il ferait n'importe quoi pour voler la gloire du général Custer. Absolument. Rappelez-vous, vous avez été formé à West Point, général du calme, de la classe. Vous êtes la gloire. Mon général, je pars avec vous. Buffalo Bill part avec le général. Qu'est-ce qui se passe? Une petite ennui technique. Vous en avez pour combien de temps? Une heure. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une bataille qui commence? Parce que votre machine, évidemment, c'est beau et c'est moderne, mais ça n'a pas l'air très au point. Mon général, je vous préviens que si Buffalo Bill continue à faire son numéro au milieu de mes soldats pendant la bataille, je ne raterai pas l'occasion de le supprimer. Oui, je vous comprends, Custer, mais je ne veux pas le savoir. Je n'ai moi-même aucune sympathie pour cet histrion, mais de toute façon, quoi que vous fassiez, je ne veux pas le savoir. Oh, allons. Mon général, vous avez des hommes vraiment très beaux. Merci, Buffalo. Je trouve ces hommes. Ce sont mes hommes. C'est mon 7e régiment. Laissez-moi terminer mon discours. Ces hommes que je viens de passer en revue, absolument splendides. Et je suis fier, mon général, oui, d'être moi un de vos hommes. Merci. Dégagez. Ce sont des soldats. Dégagez. Des soldats. Dégagez. Général. Ah, ah. Ce sont des soldats. Excusez-moi, mon général. Et vous, mes patrouilles, vous n'aurez plus un sou. Mon général, donnez-moi la permission de marcher avec mes troupes. Permission accordée, Custer, mais n'oubliez pas. Même si vous repérez l'ennemi, vous ne devez attaquer qu'après avoir fait votre jonction avec la colonne de Crook et celle de Gibbon. N'attaquez pas tout seul. Allez-y. N'oubliez pas, n'attaquez pas tout seul. Laissez-leur quelques miettes de gloire. Come on.
Bernard est arrivé. Je te laisse. Je te laisse avec mon petit temps. La bise à papa. Bien. Voilà. Mitch, fais attention à ne pas te faire tuer. Me faire tuer? Moi? Bien. Regardez pas les soldats. Ce sont pas des soldats. Ce sont des fantômes. Regardez le ciel. Il est beau, le ciel. Allez, 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 allez. Une jolie petite blonde là. À Baltimore. Oh, c'est horrible. Je dois rester ici à faire l'imbécile avec tous ces cons là. T'as une de ces chances, toi. Hein? Puis après, je vais au Chili. Oh, dis plus rien. Enfin, espérons quoi. Eh ben voilà. Ça commence. Le colonel Custer renvoie le major Reynaud. Il veut agir seul malgré mes instructions. C'est une manie. Hein? Il va voir ce qu'il va voir quand il va revenir. Protégez les vieux. Avancez. Avancez. Allons. Les mères, protégez les petits. Allons. Allez. Allez. Hey, salaud indien. Poussière d'Indien. Indien mort. Attendre. Il faut attendre, selon le général Terry. Tu te rappelles, Bachita? Si j'avais attendu, il n'y aurait pas eu de Bachita. Alors, attendre quoi? Ils sont tous là, tous. Regarde, Torossi, Gal, Cheval Fou. Le gibier m'échappe. Oh, un bon millier, à mon avis. Il va y avoir du spectacle. Mon général, vous m'aviez promis d'être gentil avec les Indiens. Mais c'est prévu, mon cher ami, c'est prévu. Alors, ma petite Hermine, toujours plongée dans Emily Bronte, hein? C'est bien, ça. Emily. Ah, mon cher professeur d'anthropologie. Je m'en doutais, hein? Je m'en vais, mon général, mon travail est terminé. Ah, et où allez-vous? À la maison. Ne parle pas à ma femme de Marie-Hélène. Il faut que je réfléchisse. Je suis très discret. Mais qu'est-ce qu'on attend? J'ai envie de charger, je vais charger. Je t'en prie, calme-toi. Le gibier m'échappe.
mon ventre. Oh, oh, sur la chaude bataille, avoir mal au ventre. Oh, oh, c'est terrible, j'ai mal. Je ne peux pas faire la bataille. Vous êtes blessé? Oh non, non, je souffre de mon ventre. Ah, ah, ah. Attendez. Ah, ah. Je dois l'achever. T'as peur, hein? Bouffe alors. Excusez, madame. Il abandonne la bataille. Buffalo Bill. Général Custer, part seul pour le combat. Il va recueillir toute la gloire de la victoire. Doucement. Félicitations. Custer. Venez, Marie-Hélène. Bouffon, rhabillez-vous devant les dames. Il ne mérite pas votre main. Fuyère. À moi! Mais c'est fou ce qu'il est douillet. Quel exemple lamentable. Je viens d'examiner les animaux et les selles sont claires. Je peux disposer, mon général. Disposer. Bien. Pardon. Oh, c'est magnifique. C'est dommage qu'il y ait tellement d'indiens. Ah oui. George Armstrong, à quand la bataille? Je ne sais pas, ma chère. Je dois attendre. Attendre. Vous avez vu le gibier? Mais je dois tendre le général Gibbon. Ça, c'est un autre coup du général Terry. Je crois qu'il est jaloux de votre gloire. De ma gloire et de ma présidence. Oui. Oh, c'est vrai que ce sont des bêtes sauvages. Marie-Hélène, comment vous sentez-vous? Bien, mais j'ai un peu honte. Que devez-vous penser de moi après ce qui s'est passé cette nuit? Oh, George Armstrong, ensemble pour toujours. Oui. Marie-Hélène, forever. Marie-Hélène, l'ange blanc, elle est morte. Sans blague. Gloire à l'héroïne! Ce soir... Attention. Au théâtre, je ferai salle double. Très bien. Ah, mon ventre! Courage. Debout. Custer, c'est fini pour toi. Boucher maudit. Thank you.
collective. Hein? Collective. Et demain, les Américains seront tous morts. Morts. Hein? Et maintenant, je vais tuer Custer. Tu es vieux comme un enfant et les enfants ne doivent pas combattre. Avez-vous appris à faire la guerre? Formez le cercle! Formez le cercle! Entre vous, guerriers indiens! Où sont les guerriers d'antan? Ils cherchaient seuls! Contre sans fusil! Recherchez votre fusil! Les culasses sont bloquées! Faut enlever les douilles! C'est pas possible! C'est le dernier modèle de l'armée américaine! Ouais, oh, l'armée américaine, ils sont foutus, et voilà! Où est votre cheval, monsieur Archibald? Ah, alors moi, le premier... Attention sur la gauche! Ne touche pas à la femme blanche. Archibald. Si ça vous passerait pas le tronc de vous pousser un peu, parce que déjà que alors moi j'ai déjà, hein. Qui meurt pour la patrie n'a pas vécu en vain. Moi au contraire, j'ai vivré pour la patrie parce que je suis pas con moi. Frère, c'est mortel, frère. C'est inutile, je meurs. L'administration, monsieur Georges, j'ai contrôlé jour par jour tous les comptes. Vous avez tué Marie-Hélène, mon frère, tous mes camarades. La charge trompette! Ce n'est pas une guerre, c'est un massacre! Et alors, je vous tuerai tous! Tous! À la trompette! Donc cette fois, nous avons vraiment perdu. Je crois que ce Custer est un véritable imbécile. Mais oui, ça ne m'étonne pas, je l'avais dit, moi. Regardez ce qu'il fait. Incapable contre des Indiens misérables. Je crois qu'il faut tout vendre. Et alors? Envoyez le message. Maintenant? Tout de suite. Moi, je suis le père, je fais ce que je veux. Custer! Où est Custer?
fusillé sur place, mon général. Je l'ai tué. Oui. Oh, ce que je suis content. Oui. Il faut partir tout de suite. Bon, mais je crois qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est... Attendez. Vous êtes prêts? Oui. Messieurs. Si vous êtes prêts, il faut y aller. Pas de pas comme ça. Attendez. J'ai le dépôt immortel. Le corps de l'héroïne. Je ne suis responsable. Bon, elle est morte, oui. Oui. Il faut nous transporter. J'ai le dépôt immortel. Mais comment il n'y a pas de place? C'est moi. Il n'y a pas la place. Moi, j'ai droit au transport. Qu'à la laisser pourrir ici, c'est simple. Bon, allez, envolons-nous, ça n'est pas important. Mais... Attendez! Je suis Mitch! L'éclaireur de Custer! Salopard! Bâtard! Sauvage blanc! Bande des sauvages blancs! Il y aura d'autres batailles à gagner comme celle-ci, d'autres Custer. Oui, beaucoup d'autres Custer vivent. Il y aura d'autres Custer à tuer. T'auras aussi d'autres Custer. Qu'est-ce que c'est? Oh, regarde ce que j'ai trouvé. Il est adorable. Oh, et qu'il est mignon. Adorable. Mais qu'est-ce que tu fais? Il est mignon. Qu'est-ce que c'est que ça? Vendre immédiatement toutes les actions chemin de fer. Qu'est-ce que c'est que ça? Au nom d'un chien. Papa. Pousse-toi, mon petit. Est-ce que je peux le garder, papa? Tu en fais ce que tu veux de ton pigeon de malheur. Mais ça n'est pas le 7e cavalerie, ça. Mais ce sont des Indiens qui rentrent dans la ville. Mais bon Dieu. Et là aussi. Mais... Des Indiens. Mais ça n'est pas prévu, ça. Dehors!